Concernant les dispositions pour la promotion du rôle des défenseurs des droits de l'homme, je dois préciser que l'article 33 de la Constitution algérienne prévoit que la défense individuelle et associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie. Concernant la réponse posée par notre ami du Mexique, je dois signaler que Réflexion Humanie envie d'envisager de mettre en place une structure pour la formation des cadres associatifs. Je vous remercie, Monsieur le ministre. On reprend dans l'ordre des membres de la délégation citée pour gagner du temps. S'il vous plaît, une minute seulement maintenant et non pas deux. Merci, Monsieur le ministre. Je vais répondre aux questions liées à la liberté d'opinion et d'expression. En vue de permettre à l'ensemble des citoyens algériens d'avoir une totale jouissance de la liberté d'expression, conformément à la Constitution qui stipule en son article 41 que les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties aux citoyens, notamment à travers la presse, le gouvernement a pris plusieurs mesures. Garantie de la liberté de création de journaux depuis 1990, grâce à la promulgation de la loi 90-07 du 3 avril 1990, qui stipule en son article 14 que l'édition de toute publication périodique est libre. Développement de la communication institutionnelle gouvernementale. Couverture radio et télévision de l'ensemble du territoire national. Développement du service public et de la communication de proximité. Modernisation des textes juridiques. À ce titre, le programme de développement du secteur de la communication prévoit la révision dans le sens de la modernisation de la loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information. Encouragement des journalistes à s'organiser et à créer eux-mêmes des conseils d'éthique et de déontologie. Pluralité du champ médiatique en consolidant et en développant la presse écrite privée, publique, nationale et régionale. Lancement de chaînes thématiques régionales de télévision afin de susciter une émulation et d'amorcer ainsi un processus transitoire d'ouverture du champ audiovisuel de façon à insuffler la concurrence dans l'objectif d'arriver à la qualité, à l'attractivité et à l'efficacité. Pour ce qui est de la promotion des droits de la femme et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, partant des principes de l'égalité, le renforcement du rôle de la femme représente pour l'Algérie une priorité. Le programme du gouvernement de 2007 a adopté une série de mesures relatives à l'intégration de l'approche genre dans l'ensemble des programmes nationaux, la suppression des entraves qui empêchent l'intégration socio-économique des femmes par la mise en œuvre d'une stratégie nationale en cours d'élaboration, l'introduction de mécanismes et de structures pour assister les femmes en difficulté tant en milieu urbain que rural, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, à travers des mesures visant l'élaboration d'une politique de prévention et la prise en charge des victimes. Dans ce domaine-là, des dispositions législatives nouvelles sont prises pour lutter contre ce phénomène, notamment par la pénalisation du harcèlement sexuel, l'aggravation de la peine pour l'infraction du vol commis à l'encontre d'une femme enceinte. Les violences domestiques sont déjà prises en charge par le code pénal et dans le cadre du droit commun. S'agissant de la pénalisation de la violence conjugale, elle constitue une intervention prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Merci. En complément de ce qui vient d'être dit, moi je dirais que sur la question du viol conjugal, le code pénal prévoit et incrimine toute une série d'infractions. Toutes les dispositions prévues dans ce code s'appliquent à tous, y compris au conjoint, sauf si la loi en dispose autrement. La loi, par exemple, le code pénal dispose que le vol entre époux ne constitue pas une infraction. Il ne dit pas la même chose des violences contre les femmes. Il ne dit pas la même chose pour ce qui est du viol. Donc la loi pénale s'interprétant de manière restrictive, on peut dire que les violences entre époux, y compris le viol, qui est une violence extrême, constitue une infraction. Pour ce qui est maintenant des questions de mauvais traitement en garde à vue, on peut dire qu'au plan législatif, les conditions de garde à vue sont encadrées par un dispositif très strict, défini par le code de procédure pénale, garantissant l'intégrité physique et morale ainsi que la dignité des personnes à vue, article 36 et 51 suivant du code pénal, ceci au plan législatif. Au plan pratique, des mesures
concrètes de nature à garantir l'application des dispositions de ces articles que je viens de citer, relatives aux conditions de garde à vue, se vérifie à travers la systématisation des visites et des inspections effectuées dans les locaux de garde à vue par les magistrats du parquet et par le CICR depuis que le ministère de la Justice, en 2003, a conclu un accord de coopération avec le ministère de la Justice. Cette inspection doit se faire avec le CICR. Oui. Cette inspection doit se faire de manière régulière et elle concerne aussi bien les conditions légales de détention que les conditions matérielles, puisque la garde à vue doit avoir lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine. Plusieurs cas, il faut dire, de mauvais traitements ont été relevés ces dernières années, une trentaine, et ils ont tous fait l'objet de poursuites judiciaires ayant abouti à des jugements de condamnation. La dernière affaire, fortement médiatisée du reste, concerne trois officiers de police judiciaire de Constantine qui ont été poursuivis du chef de torture au sens de l'article 263 du Code pénal et qui ont été placés sous mandat de dépôt dans le courant du mois de mars 2008. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. S'agissant de l'implication de la société civile, telle que précisée dans notre rapport national, la rédaction du rapport s'est faite conformément aux directives édictées par le Conseil des droits de l'homme. Les représentants de la société civile ont été associés à l'exercice depuis son lancement à trois axes. Premièrement, la Commission nationale consultative qui a dépêché des représentants de sa composante société civile, notamment des avocats, des juristes, des syndicalistes et des journalistes. Deuxièmement, des instances consultatives qui ont pris part aux réunions en formulant des appréciations sur nombre de droits et de sujets, comme la liberté religieuse, les droits culturels et identitaires, la promotion de l'éducation aux droits de l'homme. Troisièmement, avec des représentants qui ont fait part de préoccupations relatives aux droits des femmes, aux droits de l'enfant, des personnes handicapées, à la lutte contre l'analphabétisme et aux droits à l'éducation et aux droits de la santé. Je dois souligner que la précieuse contribution de la société civile au processus de mécanisme d'évaluation par les pairs a été plus qu'utile, puisqu'elle a constitué un point de départ pour approfondir la réflexion et les échanges avec un certain nombre d'organisations, en particulier sur les défis. Et cette association a également concerné l'instance législative qui a délégué des représentants de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, lesquels ont accompagné le processus de rédaction du rapport dont la presse nationale s'est fait l'écho à plusieurs reprises. Je vous remercie. Dernier intervenant, l'emploi. Lutte contre le chômage rapidement. Dans le domaine de l'emploi, il faut signaler que vraiment on revient de très très loin. Dans les années 90, l'Algérie a mis en œuvre un programme d'ajustement structurel qui a induit une perte de plus de 400 000 emplois. Mais dans la décennie qui a suivi, c'est-à-dire de 90 à 2000, le président de la République avait alors fixé parmi ses priorités de gouvernance la lutte implacable par tous les moyens contre le chômage et qui était alors en 1990 de 30, qui était en 99 de 30% et qui touchait près de 70% des jeunes. La réduction du taux de chômage qui est passé donc de 29,3 en 99 à 12,3 en 2006 et à 11,8 en 2007 est due notamment à l'injection de fonds publics importants dans le cadre du programme de soutien à la relance économique qui a favorisé l'achèvement de projets en souffrance depuis des années dus aux problèmes d'insécurité à l'époque et le lancement d'importants chantiers au niveau des secteurs des travaux publics, de l'hydraulique, du bâtiment, grands pourvoyeurs d'emplois. Il est prévu en 2005 et 2009 la création de 2 millions d'emplois, dont 1 million d'emplois permanents dans la même période. Je vous remercie. Monsieur le Président, j'aimerais juste me permettre une image. Je crois que nous avons fait la démonstration tous que nous pouvons travailler sous la pression lorsqu'elle est positive et lorsqu'elle est de bonne foi. Je me plais à souligner
qu'elle a été ceci et cela aujourd'hui. Et dans nos pays, nous sommes obligés de faire face très très souvent à des situations de ce type et la question qui vient d'être évoquée et qui est celle de l'emploi des jeunes est une question qui se pose sous le timbre de l'urgence dans plusieurs de nos pays et les succès que nous avons pu emporter en Algérie en appellent d'autres. Nous sommes loin d'avoir bouclé notre objectif. Mais